Bonjour amis Facebook. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer 5 des produits Beauty Counter que j'utilise vraiment beaucoup, pratiquement à tous les jours. Il s'agit de ces produits-là ici. Alors on a la brosse rétractable à gauche, le Tint Skin qui est dans le fond un fond de teint à effet assez fluide, le cache-cerne qui est formidable, le mascara et le blusher qui est un blush crème qu'on peut utiliser sur les lèvres aussi. Alors, c'est vraiment des produits qu'on peut utiliser très rapidement tous les jours pour faire un maquillage de base pour sortir de la maison. Je vais aussi me chronométrer pour vous montrer que ça peut ne pas être très long d'effectuer un maquillage comme ça. For my English speaking friend, I will be doing this in French only because I think it would be too long to do both languages. But I'll do other in English, so you can look and I'm sure you'll understand. Alors, je commence avec le Tint Skin. J'en mets une petite quantité dans le creux de la main. Je vais vous montrer. Dans le fond, comme ça ici. Je prends ma brosse rétractable. Bon, là, elle a besoin d'être nettoyée, mais ça vous donne une idée. Et on roule dans le creux de la main comme ça. Et on applique dans le milieu du visage, puis on étend. Vous pouvez bien voir que je n'ai pas du tout une peau parfaite. Personne n'en a, d'ailleurs. Mais ça va aider. Ah, j'ai oublié de chronométrer. Je le pars maintenant. Mais ça va aider à cacher les imperfections, à unifier le teint, et à garder un beau fini satiné à la peau. Alors, vous voyez là mon bouton, je vais essayer de le cacher. On en met partout, on n'oublie pas d'aller sur le bord des oreilles, sur le bord des cheveux. Des fois, les gens oublient de faire ça, puis on voit une démarcation. On n'oublie pas le cou. C'est un fond de teint qu'on peut rajouter à des endroits particuliers par la suite au besoin. Alors ça se trouve être comme ma base dans le fond. Le cache-cerne, on prend, on clique avec le petit bouton ici. Le produit sort. On le met en forme de V inversé. On étend un petit peu ici. Rajouter un petit clic au besoin. C'est vraiment un format qui est super pratique. On peut l'utiliser sur ce qu'on n'a pas réussi à cacher, nos amis. J'en ai ici. Et ensuite, on étend. Vous pouvez utiliser vos doigts. J'aime bien prendre un pinceau comme ça. Tout simplement un pinceau assez mou. Un groupe, c'est pas facile de se maquiller dans une caméra d'ordinateur. Mais, je veux vraiment vous montrer. Bon, ce côté-là, je vais le faire avec mon doigt. Comme ça, j'étends le produit que j'ai mis ici. Je vais étendre ça comme ça. J'en ai mis là, voyez. Bon. Alors voilà. Des fois, quand on met juste du fond de teint, on a l'air un peu d'avoir le visage tout de la même couleur. Alors à ce moment-là, on prend le blush crème. Cette couleur-là, c'est hibiscus. La couleur que moi j'ai utilisée comme fond de teint, j'ai oublié de vous dire, ça s'appelle lin. On en a vraiment plusieurs couleurs. En fait, les petits ronds, on en met sur les lèvres. On peut étendre pour plus de précision. Et là, avec le blush crème qu'on va aller étendre un peu vers les oreilles.
pour donner une impression de teint en santé. Et il me reste juste le mascara. Déjà, c'est mieux. Le mascara Beauty Counter est waterproof. Bon, ma brosse est pliée, mais c'est une toute petite brosse qui permet d'avoir, qui permet une précision. C'est pas le mascara le plus épaississant. Épaississant. Par contre, il est bien allongeant. Il est waterproof, donc oups, mes petits produits. Je l'ai porté dans le sud à tous les jours et il n'a pas coulé. Il peut être difficile à enlever. Ça prend vraiment un corps gras. Alors moi, j'utilise notre huile pour bébé pour l'enlever. Vous pouvez probablement réussir à l'enlever avec l'huile de coconut. J'ai pas essayé. Ou beaucoup d'entre vous ont peut-être le Lancôme biphase, là, vous savez, l'espèce de démaquillant Lancôme dans la bouteille bleue. Alors, ça peut être une solution. Mais ça prend un corps gras, sinon vous ne réussirez pas à l'enlever. Et je vous jure, c'est pas facile de se mettre du mascara dans une caméra d'ordinateur. Bon, mais le but étant de vous donner une idée. Des cils un peu fous aujourd'hui. Alors voilà. Ça a pris quelques minutes. Je suis rendue à 5 minutes pour faire un petit visage qui fait qu'on se sent mieux puis qu'on a l'air moins fatigué, qu'on est prêt à partir notre journée. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions sur les produits que vous venez de voir, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email, ça va me faire plaisir de vous répondre. Les produits que vous avez vus aujourd'hui, le blush en crème, le thin skin, la brosse rétractable qui se range, le cache-cerne et le mascara. Hey, merci, bonne journée, à bientôt, bye!